Tindengue nous fait comprendre qu'après la mort, la vie continue. Et le cercueil, c'est une place. Nous allons l'écouter. Après, on va écouter sa mère et on va chuter avec le général Vassero. Écoutons Tic. Ok. Comme si ta mère est même super contente d'être ici. Il va être influencé. La gerbe de câble, il ne souffle de changer plus d'argent du monde. Tindengue, c'est toi qui allais remettre les gerbes de flèche du câble à Nanji. C'est quand même très intéressant. C'est que quand vous dites que vous voulez l'enfant du Cameroun, les gens vont continuer à danser, à fêter, à continuer la vie normalement, à faire les enfants, parti, que ça va continuer, tu vas te mettre au travail, tu vas vivre ta vie pleinement. Alors que quand tu fais le sale sur Internet, ta mère mais quand tu comprends que la terre est là, tu es en classe, comme le père de Dédéido là, frère, tu es en classe. Écoutons sa mère maintenant. Alors, si je me présente devant vous cet après-midi, c'est juste pour répondre à la question qui bat le plein sur la toile en ce jour, à savoir pourquoi Tic n'était pas au deuil de Cabrel. Bon, j'avoue quand même que je porte le chapeau. Ça n'a pas été évident pour nous, brutalement. Un matin, et on nous dit Cabrel n'est plus accident. Ceci, cela, avec tout ce que ça comportait, franchement, ce n'était pas facile. Moi, sur le choc et tout, en tant que parent, pour avoir tout écouté ça, j'ai pris la peine de demander à mon fils de ne pas y aller. Je suis désolée, je suis même choquée parce que c'était son pic. Tic n'est pas allé au deuil de Cabrel. C'est vrai, ça ne dépendait pas de lui. C'était moi. Mais seulement, j'ai demandé à ma sœur aînée, qui est la tante de Tic, d'aller représenter Tic au deuil de son pic. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc, en quelque sorte, d'une façon ou d'une autre, Tic était au deuil. Vocation de mon fils. Franchement, je vous dis, j'ai essayé, j'ai jamais été d'accord pour que mon fils soit un homme populaire. Parce que l'éducation que j'ai reçue nous interdisait la popularité. Parce que les compagnons mauvais sont un danger. Moi, je le lui ai proposé mes plans de la vie. Mais l'enfant a disposé autrement. Je suis commerçante de vocation. J'ai bien voulu que l'enfant me suive dans ce chemin, mais ce n'était pas trop son dada. Bon, à l'impossible, nul n'est tenu. Je me suis dit aujourd'hui, c'est ton chemin, tu as choisi, vas-y et sois sage. Et avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, c'est monté, c'est descendu. Bon, franchement, je ne suis pas très d'accord, hein. Mais pour lui, c'est un peu comme le bang. Quand on commence à fumer, on ne laisse pas. Alors, pour revenir sur le décès de Cabrel, ça n'avait pas été facile pour mon fils. Il s'est senti vraiment tourmenté. Bon, il n'a même plus s'y raser. Vous ne pouvez même pas imaginer. Ton ami, ton meilleur, ton proche mort. Et on dit, c'est toi le prochain. Que la prochaine victime, c'est toi. C'est un traumatisme. À la maison, l'enfant ne dormait même plus dans sa chambre. Il a passé 3 semaines à squatter dans la chambre de son petit frère. Ça a pris beaucoup de temps que ses esprits reviennent en place. Franchement, ça n'a pas été facile pour nous aussi. Pour le reste, la gerbe de fleurs de Cabrel ne souffre de rien. Je pense que dans les prochains jours, nous allons aller dignement lui déposer sa gerbe de fleurs. Donc, nous sommes tous choqués par sa mort et puis que la tête de nos ancêtres lui soit légère. Ok. On accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Je vous disais ça hier. Ok, qu'il avait signé sans lier la main. De toute façon, écoutons Valsero. Quand vous dites que les enfants ne font pas les choses des grands, là tu as appelé ta mère au secours. Ok? Quand tu parles les sommes des millions et des millions sur Internet, oh j'ai les millions, oh j'ai les millions, ta mère est là.
Je te pose une question simple, frérot. Quand tu t'assois sur Internet, tu ouvres ta bouche. Une fois tu ouvres ta bouche sur moi, le général. Une fois tu t'as assis, tu as dit, grand frère, je te respectais. Hein. Donc tu es quelqu'un que quand tu finis de faire ça, tu pars te cacher dans la jupe de ta mère. Là, tu as appelé ta mère au secours pour qu'elle vienne expliquer pourquoi toi, tu n'es pas parti au deuil de ton ami. Là, tu l'as pris, elle, tu es venu la mettre sur le champ. N'est-ce pas? Première chose qu'on va dire à la mère de Ting Dengue, la mère de Ting Dengue, soit tu retournes avec Ting Dengue à la maison, il redevient un enfant, il lave les marmites, il lave le sol, il frotte les assiettes, il part à l'école et tout, et tout, et tout. Tu retournes avec lui, il quitte sur Internet. Soit toi, la mère, tu quittes là, tu ne viens pas te mêler des affaires qui ne te concernent pas. Parce que le show que ton fils fait sur Internet, là, ah non, 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 les enfants, là, ils ont aussi les parents, hein. Ok, ils ont les mamans, ils ont les mamans. Mais moi, ce qui m'a fait rire, c'est celui qu'on appelle Ting Dengue. Donc, tu es parti te mettre derrière ta mère comme ça, là. Maman, dis-le, maman, dis-le. Ah, mais non, frère, il faut avoir le courage. Parce que quand je te vois les gens auxquels tu t'attaques, je ne savais pas que tu étais quelqu'un, que tu finissais d'attaquer les gens comme ça, là. Et puis, quand ça commence, tu commences à te pisser dessus, mon petit. Tu pars te cacher derrière les jupes de ta mère. Ah, mais c'est terrible. Mais ce qui m'a encore le plus intéressé, c'est même ta mère elle-même. D'ailleurs, ta mère, c'est une donne. Quand vous quittez derrière, vous venez nous trouver sur Internet, il faut savoir, il faut être prêt à lire. Il faut comprendre. Mais quand ta mère vient nous dire que la gerbe de Cabral Nandjib ne souffre de rien, elle parle de quoi? C'est moi qui a décidé que Ting Dengue de pâte pour deuil de Cabral. Mais elle mange l'argent d'Internet, non? Ta mère mange aussi l'argent d'Internet. Hein? Donc, elle dit qu'elle a décidé que tu ne pars pas au deuil de Cabral Nandjib, qui était ton bro, qui était ta personne. Elle croit qu'elle t'a protégé de quoi? Non, elle a montré juste que tu es un fils à papa ou tu es un lâche. C'est-à-dire que quelqu'un marche avec toi et il passe se retrouver seul le jour de son deuil, c'est tout. Ou bien tu as voulu te montrer aussi que tu es une mère. Mais c'est ta mère qui m'a quand même interpellé. Hein? Je suis désolé, Ting Dengue. Ta mère parle de cette histoire comme si elle-même elle est super contente d'être une star maintenant, c'est mon avis. Merci les amis de voter pour moi. Je suis nominé au festival Africrea, catégorie meilleur vlogueur. S'il vous plaît, cliquez sur le lien là en commentaire pour voter pour Franco le Mignon. Je vous love la magie. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.